arrivée à l'hôtel à 1 h passée du matin et l'hôtel est juste magnifique. Donc il y a la suite, donc c'est 2 chambres, salon, et puis il y a aussi une kitchenette. Et le personnel, dès le départ, était vraiment aux petits soins. Ils savent qu'on leur a dit qu'on allait faire le ramadan, donc on peut pas déjeuner, parce que le petit déjeuner c'est à 6h30 du matin. Donc voilà, la réceptionniste, elle était très gentille, elle nous a fait un petit paquet avec des yaourts et des bananes. Sinon, voilà, vers 6h30, 7h, je descendrai pour ramener le petit déjeuner des filles. On est libre de ramener ce qu'on veut d'en bas et de le ramener dans la chambre. Franchement, nickel, kitchenette avec lave-vaisselle, avec plaque, four micro-ondes. Franchement, le top. Frigo, congélo. Et puis les 2 chambres, chaque chambre avec sa salle de bain. Ça, c'est ma chambre. Mon mari et moi. Et puis, ici, c'est la chambre des filles. Elles vont dormir comme des reines. Les lits qu'elles ont, ils sont juste énormes. Et elles ont leur salle de bain. Ici, voilà, là-bas, il y a les toilettes baignoires et tout. Et là, c'est leur petit dressing. Donc voilà, demain, j'essaierai de ranger tout ça, de tout mettre en place. Donc, il faut vite que j'aille manger. Mais avec le décalage, le jet lag, les filles, c'est juste catastrophique. Je ne sais pas à quelle heure elles comptent dormir. Elles ont dormi pendant le deuxième vol, mais pas beaucoup. Elles étaient KO dans l'aéroport, dans le taxi. Mais dès qu'elles sont rentrées, bah, tout le sommeil est parti. Ça a disparu. Subhanallah. Donc moi, je vais manger, aller me coucher. Salam alaikum, habibati. Inch'Allah, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à la guerre, les commentaires, les messages, les khalitoum, les full vlog, les manqbel. Rani Farhana, bzaf ki aout, rjaht likoum al YouTube, ma t'amnouch Rani Farhana. Le vlog ta alioum, à qui d'rach n'khabarkoum où est-ce qu'on s'est installé. Donc, l'imt b'aini men bekri, celles qui me suivent depuis très très longtemps, je vous ai déjà parlé de nos projets. De famille et je vous ai dit il est probable inchallah on aimerait tellement tellement vivre aux États-Unis donc alhamdoulillah rabbi stajab le doua tana w haqqaqna li kan fi khatrna donc mon mari a eu job offer hnaya f les wilayat mutahida al amrikia donc on s'est installé exactement à Portland en Oregon. Donc voilà, bzaf li galou li New York ou la Montréal, non, كنت قراب mais c'est pas à New York. انا ما نبغيش المدن اللي فيها الاكتضاد. نبغي البلايص اللي فيها الوسع وفيها طريق واسع وعندك وين تقاري وما فيهاش بزاف ترافيك. So رانا في بورتلاند. دونك فوالا ريلوكيشن يعني واحد كيغير البلاد شويه صعيبه ماشي كيما من تغيري جوست مدينه ولا تغيري غير السكنه فيها بزاف يا بوكو دو شوز ا جيري ان ميم طون دونك الحمد لله اون ا بريباري سا بوندون بليزيور موا اي فوالا اون ايت اريفي ايسي في رمضان سيتي لو 26 افريل اون اي بارتي لو 26 افريل من امستردام. Et on est arrivé le 27 ici parce qu'on a pris 2 vols. Donc voilà, le premier vol s'est très bien déroulé. Mais malheureusement, même si j'avais pris un vol de nuit, mes filles pendant 8 heures n'ont pas fermé les yeux. Elles ne m'ont pas dérangée, pas du tout. Qu'elles ont arlette ou elles se sont bien occupées avec leurs affaires qu'elles ont ramenées dans leur petite valise et tout. Mais le deuxième vol était un petit peu difficile parce qu'on avait juste 1 h 30 pour pouvoir changer d'avion. Et c'était vraiment très short, c'était la course et l'aéroport de New York, c'est juste catastrophique, parce que avec le moment, mais qu'on a les vols directs. Mais alhamdoulilah, pour le moment, les vols directs de Portland à Amsterdam. Donc voilà, on prévoit d'aller voir la famille, inshallah, au courant de l'année, il est brbi. Mais voilà, pour le moment, donc on a fait un deuxième vol, comme je disais, de New York à Portland, qui a duré 6 heures. Donc 8 heures plus 6 heures, ça fait 14 heures. Et on était claqués à l'arrivée. Mais ça fait du bien de tester un voyage de long trajet, un vol de long trajet avec les enfants. Tout s'est très bien déroulé, sauf que voilà, elles étaient très très fatiguées vers la fin. Et ça, c'est tout à fait normal. Tout le monde était claqué.
Donc voilà, nous sommes le 27 avril, on est dans un hôtel à Hillsborough. Donc normalement, c'est 2 mois d'hôtel en espérant que le conteneur li fi lqach tana yousal qbel les 2 mois. Donc normalement le conteneur il sera là le 10 juin. Aujourd'hui, on est le 7 et on s'attend à ce qu'il nous envoie un email pour nous informer fi had liyamat inchallah. Donc on est super excités, on a réussi à trouver une maison parce que ici la crise de logement elle est incroyable. Les prix sont super élevés parce que on est dans un endroit qu'ils appellent la Silicon Forest parce qu'il y a la Silicon Valley et la Silicon Valley qui est San Diego, et ici un peu plus au nord il y a la Silicon Forest. Donc toutes les grosses compagnies comme Intel, Nike, Amazon, Apple, Google, tout le monde s'installe ici. C'est un truc de malade. Il y a plein d'ingénieurs et de cadres qui viennent de partout. Il y a un mélange ethnique incroyable, indien, chinois, japonais, européen, il y a de partout. Donc c'est ce qui fait la diversité qu'il y a là, c'est un truc incroyable. Et donc du coup mine gars c'est des ingénieurs et tout ça, donc tout le monde veut louer une maison et c'est un peu compliqué à trouver quand on applique pour une maison. Il faut obliger une la liste d'attente, Nathan Hua il a appliqué. Et donc du coup on était chanceux, c'était une rencontre qu'on a faite à un couple taïwanais qui ont plusieurs maisons. Et donc on a visité la première, on a trouvé qu'elle était beaucoup trop grande pour nous. Et finalement la deuxième elle n'était pas encore disponible, mais ils ont dit tiens il y a le locataire qui est dedans qui va sortir bientôt. Et directement on l'a pris les yeux fermés. Donc alhamdoulilah on a réussi à trouver la maison, on ne sait pas encore... dès qu'on a une adresse fixe, on peut inscrire nos enfants à l'école. Donc pour le madrasa ta Nour, Nour mazalha saghira. Donc ici l'école c'est à partir de 5 ans le kindergarten. Donc je nchedha maaya inchallah ma septembre ndakhla fi une crèche ila ktab rabbi. Bien sûr les crèches c'est payant. Après l'école, voilà, les écoles qui ont une publique ou qui ont une privée. Anna, je préfère mettre mes enfants dans des écoles publiques parce que ici, il y a des écoles, surtout dans le quartier les Radinsknofi, inchallah, l'endroit les Radinsknofi, les quartiers, ils ont un score très très élevé. C'est vraiment le top, quoi. Ils ont beaucoup de moyens parce que les habitants payent beaucoup de taxes justement pour contribuer les moyens par les écoles ou la library ou tout ce qui est attractions, les parcs et tout ça. Donc Cyrine Dernaha fait une école qui est juste ici là, donc Dernaha fait une école où le score il est vraiment topissime. Ils utilisent une méthode qui s'appelle STEAM, c'est à dire Science, Technology, English, Arts and Mathematics. Et quand elle me parle de son programme, je suis impressionnée. Donc, alhamdoulilah, on est très satisfait, très content. Mais on continue à faire la navette de l'hôtel à la maison pour la ramener. Elle ne peut pas prendre le bus scolaire puisqu'on n'a pas mazal maskinach la maison l'inaï. Donc voilà, c'est notre quotidien pour le moment. On est toujours à l'hôtel, alhamdoulilah. L'hôtel, c'est... Les chambres sont grandes, on a une kitchenette, donc on a un tayeb presque tous les jours, les week-ends, nous sortons, nous on découvre un peu les alentours. Et voilà, on essaie de s'habituer petit à petit et surtout on essaie de régler tout ce qui est paperasse parce que c'est comme si c'était une nouvelle vie, on doit tout recommencer dès le départ. C'est-à-dire un audo kulchi, le social security number, health insurance, les comptes bancaires. Alhamdoulilah, donc moi j'ai pas besoin de permis de travail pour le moment parce que c'est inclus dans mon visa. Mon mari, voilà, il avait déjà l'autorisation de travailler dès le départ. Donc voilà, on essaie de s'adapter petit à petit, de s'habituer, mais alhamdoulilah, on aime beaucoup le cadre de vie, bien sûr. Comme tous les pays, il y a des avantages et des inconvénients, il y a des pros and cons. Donc nous, avant de venir, on connaissait déjà la région, on l'avait déjà visité avant, mon mari et moi. Il y avait mon mari qui l'avait visité encore une deuxième fois sans moi et on a beaucoup aimé. On trouvait que c'était un cadre magnifique et c'est l'endroit qui convient à notre lifestyle. Donc, alhamdoulilah, mektoub, subhanallah. Un an, 7 ans après, j'ai visité Portland en 2014 et
7 ou 8 ans après, je me retrouve installée ici. Donc, pour combien de temps les filles ou la belle-neige ? On ne sait pas si on va rester, 2 ans, 3 ans ou à vie ou la belle-neige. Kulchi mktoub. Ou je ne suis pas du genre lingoul. Ah, nous regardons Hnaya et Simon Boujich. Hadi Dunia. Et on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, Belek Gina a une autre opportunité plus tard. Minchaf Gawin. Corée du Sud ou la Taïwan ou là je dirais pas non, je suis comme ça, تعلمت نصدم نخرج من لا زون دو كونفور تاعي et نصدم معايا بناتي باش ثاني هما يتعلموا, elles deviennent beaucoup plus ouvertes d'esprit, elles sont plus confiantes, donc elles sont beaucoup plus sûres d'elles-mêmes, etc. Donc c'est vraiment des expériences à ne pas rater si vous avez l'occasion de vivre une expérience pareille, surtout si vos enfants mazal hom srar, donc n'hésitez pas. Et voilà, donc alhamdoulilah, gali sqsitou aliya ou li bghitou ta'rfou win rani et tout ça, donc alhamdoulilah, tout va bien, on est aux États-Unis. Et bzaf li galou li bghitou trouhi le Turc, raki rayha le Turc ande khoutek, déjà hkit lkom fi, je sais pas si c'était un live ou fi Instagram ou là un vlog fi YouTube, mais goutkom bli Turquie nbghiha bzaf, c'est limite c'est mon deuxième pays, c'est après l'Algérie, c'est mon deuxième pays. Mais je ne peux pas nous faire de l'autre côté. Belek plus tard, je ne sais pas si elle a dit qu'est-ce qu'elle nous réserve. Donc voilà, peut-être notre retraite en Turquie, ou là, on ne sait pas pour le moment. Mais voilà, on essaie de profiter de la vie, de profiter des occasions et des opportunités qui se présentent à nous, et voilà, c'est sans regret, les choix qu'on fait on les assume avec leur bon côté et le mauvais côté, et alhamdoulillah ala kulli hal. En tout cas, gaa nas li raha mtmenya fursa kima hadi, ndadi lkom rabbi min kol qalbi yatikom hadi lfursa. En tout cas voilà, lyoum rani and l'école ta Sirin machin njibha hadi l'asbou chaitani, ana ndayra chauffeur ta tout le monde. Parce que mon mari a une formation toute la semaine de 8h pile à 17h. Donc, Anna, je m'occupe de le ramener, le déposer le matin. Ensuite, je dépose Cyrine. Je vais faire quelques courses. J'occupe Nour. Parfois, je l'emmène au parc. Parfois, la bibliothèque, etc. On rentre, on mange. Ensuite, on repart chercher Cyrine, on revient à l'hôtel où là je les emmène s'amuser ou faire quelque chose. Après, je repars chercher mon mari. On va nous faire le chia. Et voilà, le temps de dîner, le bain des enfants, les occuper, faire des activités en famille, se reposer tout simplement. Et puis voilà, rebelote. Donc, Gassimana dita chauffeur. Donc voilà, j'essaie aussi de m'adapter parce que vous savez que j'ai une phobie avec le volant, mais je préfère rouler ici que de rouler en Belgique. C'est très bien, je sais pas, c'est très facile à conduire ici, de conduire ici, parce que le targoua serine, les feux rouges j'ai une baade, mais j'ai une chlasse rien fik, donc du coup tu sais où tu adores, où tu m'adores, je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, je préfère n'sog hnaya ala n'sog fi la Belgique, alhamdoulilah. Donc bon, كترت عليكم الهضره بزاف, ناخذكم معايا اليوم في هذا الفلوغ باش تشوفوا une journée typique à l'hôtel, comment ça se passe, comment on est installé à l'hôtel, un petit room tour, et voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'occupe et tout ça. Yalla maya. Allez ma puce, tu montes dans la voiture s'il te plaît. Stickers. Un stickers. Oui. Donc là on va à la bibliothèque pour rendre un livre et les Lego qu'on a emprunté la semaine passée, et Nour va assister au preschool story time. Donc voilà, on va essayer de l'occuper un petit peu pendant que Cyrine est partie à l'école. Il est presque 10h et c'est le moment d'y aller. Allez, let's go! Oui? Une part de gâteau? Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi ça? Un donut. Et ça, c'est quoi? Des cookies. Et ça? Un macaroni. Non, c'est un brownie. Un brownie. Et ça? Des œufs. Ça?
un cupcake. Et tu m'as fait mon cappuccino? Oui. Ça a l'air bon tout ça. Merci beaucoup. Ah, il est délicieux. J'en avais besoin. Vous voulez goûter ça? Attends, je vais goûter ça. Et ça? Trop, trop bon. Et une donut? C'est délicieux, Nour, ce que tu m'as fait. Merci beaucoup. Amazon Fresh Delivery today. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas faire les courses en magasin, mais plutôt de commander. Donc c'était hier que j'ai passé ma commande. Aujourd'hui, voilà, ils ont livré à l'heure que j'ai demandé. Donc voilà, on va voir les courses commencer. Si c'est vraiment frais, si c'est really fresh ou pas. Donc on va vérifier tout de suite. Ok, here we go. So, tout est venu vraiment impeccable. Les fraises sont très très fraîches. Les bananes, pas très mûres. Donc voilà, les pommes, les oignons, little bites, de l'eau, tout ce que j'avais demandé en fait. Tout est en très très bon état, en excellent état, tout frais. Donc voilà. Et ici aussi, j'ai pris du fromage râpé, du yaourt pour les enfants, du lait. Donc les produits là sont arrivés vraiment frais là, au toucher, ils sont très très froids. Donc c'est super, on va vérifier ça à l'intérieur plus tard. Mais voilà, son état a l'air très très bien, on n'a pas l'impression... qu'ils mettent quelque chose qui n'est pas de bonne qualité. Franchement, c'est vraiment fresh. Pour le même prix, superbe qualité. Pas besoin de se déplacer en magasin et faire le tour pendant des heures. Franchement, au top. Allez, 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 allez! Les filles, les sarcitoni mouna, comment tu t'en sors? 2 mois à l'hôtel, c'est pas beaucoup. Parce qu'il y en a pas mal. On a discuté ensemble par message privé. Elles m'ont souhaité bon courage et tout ça. Ou l'hôtel et ça va prendre 2 mois. Donc, bzaf sarcitoni goutili mouna, comment tu t'en sors niveau nourriture avec des enfants et tout ça? Donc, alhamdoulilah. Alors, l'hôtel, la kitchenette, il y avait plusieurs choix d'hôtels. Ou un arrière de l'hôtel, les filles, voilà, 2 chambres, plus salon, plus kitchenette. Parce que pour moi, la kitchenette, c'est un truc vraiment impératif quand on a des enfants. Nour, tu permets, s'il te plaît? Merci, ma puce. Alors, full cuisine, Kane, le grille-pain, la machine à café. Il donne les filtres, il donne le café et tout ça, donc c'est top. Mais moi, je bois pas beaucoup le café à l'américaine, donc je suis pas trop fan. Il y a les ustensiles de cuisine qui m'a dit je fais acheter moujda. Donc une sauce curry voilà avec du poulet, j'ai mis des pois chiches parce que j'aime trop. Et je vais rajouter à la fin persil coriandre, j'ai fait cuire le riz ici. Voilà, donc je fais mes courses et tout. Kain le micro-ondes ou Kain un petit air fryer. Et voilà, quelques ustensiles de cuisine. Voilà, c'est pas le top, mais chiki même une confidare, bien sûr. Mais ça permet de manger sain, de manger quelque chose de fait maison. Après, les couteaux, les couteaux et tout ça. Mais ils étaient tellement horribles. Donc, j'ai été en magasin et j'ai acheté un set. Plutôt, je l'ai commandé sur Amazon. Tout un ensemble de couteaux. Voilà, c'est pas le top, mais voilà, quelque chose et puis j'en avais besoin aussi. Dans tous les cas, j'allais renouveler pour le darj d'Ida, inchallah. Et voilà, c'est mes épices qui sont encore là. Avant de partir, j'ai mis les petits pots de Philips à 20, mais خفاف, mais ils ne sont pas beaucoup. J'ai mis dans la valise تاعي, j'ai mis معايا. Mais c'est pas cool parce que on dire les soupes et tout ça, c'est important surtout quand on a des enfants. Ouais, pour les soupes, donc j'ai acheté
le bras mixeur avec ça, ça vient. C'est la marque Cuisine Art. Ça coûte pas cher du tout. Et voilà, Amazon, on se fait livrer à la maison. Donc, c'est l'idéal pour pouvoir mixer les soupes dans une chambre d'hôtel, tout simplement. ومبعد ان شاء الله كي نمشي لداري ندي معايا باسكو كيما على بالكم قلت لكم هنا في امريكا كاع لي زاباري الكتريك اللي تمشوا في اوروب ما يمشوش هنا في امريكان دونك كاع اللي كانوا عندي تماك اللي بعتاه واللي مديته واللي قصته سكي في كو شي اوبليجي دو تو رينوفلي دونك جو مو سوي دي ما رانيش خاسره فيه كي نشري ان برا ميكسور ايسي اي سرا توجور يوتيل دونك فوالا لو بيتي اير فراير جوتيليز pour faire des petits trucs dans le four pas grand chose mais j'ai pas essayé encore des gratins ou quoi que ce soit. Ou Kaintani lave-vaisselle, donc c'est top comme il y a le lave-vaisselle, donc on ne se casse pas la tête pour la vaisselle. Il donne tout ce qui est pastille pour la vaisselle et tout. Donc les filles, elles étaient là en train de s'amuser ici. La peinture, les chutes à l'homme Target. Et voilà, elles s'amusaient, mais d'où le cousine Hala ou Ajib. Donc on va nettoyer tout ça, on va manger. Et voilà, merci beaucoup les filles. Gali sqsitou aliya ou sqsitou ala hali kifach daire et tout, mais alhamdoulillah, on arrive à s'en sortir. Kima kan ala balkom rhalt ma Ramadan, ce qui fait que la dernière semaine de Ramadan presque c'était 3 ou 4 jours, on a pris que des hôtels en Belgique et en Hollande, les filles ont tani kitchenette. Bach lwahed yqd yhammi haja bach yitsahhar biha ou yftar biha et tout. Ou pareil ici, j'ai pris l'hôtel avec kitchenette et c'est quelque chose que je ne regrette pas du tout. Ils servent le petit déjeuner, bien évidemment, mais voilà, ça permet de prendre le petit déjeuner là-bas ou bien de ramener ce qu'on veut et faire notre petit déjeuner ici. Donc on peut prendre des fruits, on peut prendre des yaourts, du pain, etc. Je fais aussi mes courses, même chez le magasin, dire les courses théoriques et tout. J'essaie de prendre mes repères un petit peu niveau magasin parce que ici les États-Unis l'inconvénient c'est que la nourriture qui te la licom t'as souvent comme vraiment perdu ou la nourriture américaine je ne suis pas très très fan donc voilà ça m'a j'essaie bchouya ou nous rassé inchallah vivement kinkoun fidari donc voilà hada wa l'acha ta3na lyom je vais couper des fruits à côté des concombres et voilà, c'est bon, c'est sain, c'est fait maison et tout le monde va se régaler. Voilà, bisous. On vient juste de finir notre story time, donc il est 19h passé. Donc, tous les soirs, parfois quand Cyrine elle rentre de l'école, parfois avant de dormir, parfois avant le dîner, ça dépend, mais en tout cas, c'est toujours comme ça. Donc, on essaie de lire. Daymen, dakhalt lhom fla routine tahom la lecture. On lit beaucoup plus souvent qu'avant, pour la simple raison que, déjà, il y a deux raisons. La première raison, c'est pour qu'elle s'améliore en anglais. Et la deuxième raison, c'est pour parce que le rachetana mazal majesh, le conteneur, les jouets tahom, les activités tahom, ma'andhomch, vraiment elles ont un minimum de choses. Et donc du coup pour voilà pour s'adapter avec les moyens de bord, ouais. On a été à la bibliothèque. Ouais, et à la bibliothèque ils nous ont aussi donné un papier avec 20 jours et tu dois écrire tu lis combien de minutes ou combien d'heures. Et moi, je lis 15 minutes et Nour, elle lit 10 minutes. Mais parfois, maman, elle nous lit des livres. Oui, voilà. Donc, on prend... franchement, il y a bzef les livres. Beaucoup de livres, c'est super intéressant. On peut emprunter des jouets, plein d'activités à faire. Ils ont un summer camp program. Ils ont... en fait, il y a une infinité de... Franchement, il y a pas mal d'activités à faire. Il y a les soirées pyjama aussi. Ouais, même hier, on a fait une soirée pyjama. Elle était cool. Ils nous ont raconté des histoires, plein d'histoires et aussi des chansons qu'on devait faire avec les mouvements et tout. Voilà, donc elle peut faire du coloriage. Il y a plein d'activités à faire. Et je leur prends beaucoup de livres. Les livres, c'est devenu la routine, Tana. Tous les soirs, on lit des livres. Et franchement, ce livre-là, il est trop beau. Ouais. C'est une histoire toute simple. Ouais, c'est une histoire d'une petite fille et une grand-mère. Et ils voulaient se rencontrer. Mais le problème, c'est que la petite fille, elle voulait y aller chez la grand-mère. Et la grand-mère, elle voulait y aller chez la fille. Et ils ne se sont pas croisés dans la route. Voilà. Donc, c'est très beau. C'est très, très bien illustré. Je trouve ça très joli. Je pense que... Torogumi, c'est japonais, donc
Voilà, on voit très bien que c'est typique, c'est japonais. Et c'est une très jolie histoire, des phrases très très simples. Ça permet aux enfants d'apprendre. Donc, on a les images les détails. Ou elles s'expriment comme elles le veulent. Et moi, quand je lis les phrases, les jumel tahom, j'ai une qsar bzef, mamch toal, mamch compliqué. Donc, tout le monde comprend, même nous le comprend. Et ça, Moi, je c'est. pourrais lire. Voilà, ça, c'est très très bien. Même Cyrine, elle peut lire toute seule quand elle est. Elle a pas besoin que je l'accompagne pour pouvoir lire correctement. Et ça, c'est très bien. Qu'est-ce que tu voulais lire d'autre, le prochain livre qu'on avait pris qui t'intéressait beaucoup? C'est celui-là parce qu'à l'école, ils l'ont lu sans moi. C'est exactement le Voilà. même. Donc ça, c'est un livre très très connu qui s'appelle The Proudest Blue. Il est écrit par la championne olympique Ibtihel Mohamed. C'est un livre très connu et dans les écoles ici aux États-Unis, ils l'utilisent beaucoup pour encourager les enfants à accepter tout ce qui est les différences, etc. T'as envie d'encore lire, Nour? T'aimes bien le livre? Et Voilà. puis, Même Nour, elle aime bien, parfois sans lire, mais juste feuilleter, regarder les images. Parfois, je l'entends raconter l'histoire à ses poupées. Et ça fait plaisir de voir que mes filles, elles sont de plus en plus bouquins. Parce que pour la simple raison, c'est parce qu'elles n'ont pas autre chose à faire. Et Ouais, ça, c'est très mais bien. le problème, c'est que même à l'école, j'ai un iPad et là-bas, il y a plein de livres. Tu cliques sur un livre, il y a même des championnats d'arts martiaux que je regarde et tout, et des insectes et des tigres et tout. Il y a plein de livres de ça. Très bien, c'est très bien. Donc voilà, le hal wahid باش الولاد يتعلموا les bouquins, يقروا بزاف les livres, c'est de limiter les autres activités, les autres jouets, tout ça, parce que ça leur prend beaucoup de leur temps. Privilégier plus des activités comme ça. Et pour vous dire, ici dans la, il y a 3 télévisions dans la suite où on est, et franchement, on les allume rarement. Ouais. La télé du salon et la télé de la chambre des filles, on les allume même pas pour vous dire, c'est tout le temps éteint. Et la télé dans ma chambre à moi, il y a que mon mari qui l'allume le soir quand il est fatigué en Ouais. rentrant du travail. Et voilà, c'est notre quotidien dans la petite chambre. Vous voyez les filles, limite elles se sont installées, elles ont accroché leurs petits dessins et tout ça sur le frigo. Donc voilà, on s'occupe comme on peut dans la suite. Et puis Inch'Allah, j'espère que voilà, les affaires arriveront bientôt. On voit que Nour est bien concentrée sur le livre.